Bonjour, donc je suis Sandra Dos Santos, je suis la référente du Centre Sourcil et Trisme au sein du Carré Forêt de Normandie. Et je vais co-animer ce webinaire avec mon collègue que je vais laisser se présenter. Bonjour à toutes et à tous, Yannick Lallier, Carré Forêt de Normandie également, en charge de l'animation des communautés sur la plateforme collaborative La Place. Donc, nous en parlerons tout à l'heure. Je te redonne la parole, Sandra. Oui, donc en effet, en fait, ce webinaire se place pour nous donc dans un double ancrage en fait, puisque si on co-anime Yannick et moi, c'est puisque d'un côté on porte un projet national hein, avec le réseau des Carrés Forêts, dans le cadre d'une convention qu'on a signée avec le ministère de l'Intérieur à travers la direction de l'intégration et de l'accès à la nationalité. Donc c'est un projet global qui s'appelle Animation, accompagnement, professionnalisation des acteurs et opérateurs de l'écosystème de l'intégration et de la formation sur le parcours linguistique des primo-arrivants et des réfugiés. Et donc, plus précisément, en fait, ce projet, il est intégré dans... Donc, il a démarré déjà, c'est, je dirais, le troisième volet, il a démarré depuis 2016. En fait, il s'est construit sur la mise en place d'une cartographie nationale de l'offre de formation linguistique à destination des plus arrivants, que j'espère vous connaissez tous. Et si ce n'est pas le cas, vous aurez le lien dans le diaporama qu'on vous présente. Et puis, de toute façon, je vais vous mettre aussi le lien dans le chat de cette cartographie. Et donc, ce projet ce troisième volet du projet qui a démarré en 2020, il se décline en trois points. En fait, on doit donc, dans un premier temps, évidemment, poursuivre l'actualisation de cette cartographie hein, qui est en place au niveau national. On doit également, dans le cadre de ce projet-là, produire une cartographie grand public qui sera normalement déployée en 2022, cette cartographie. Et puis, le troisième volet de ce projet, c'était de développer un programme d'animation et d'accompagnement des professionnels dans les régions impliquées. C'est-à-dire qu'on est 8 régions, en fait, dans le cadre du réseau de Carré qui sont impliquées dans la professionnalisation des acteurs en région sur tout l'écosystème de l'intégration de la formation, mieux connaître vraiment le parcours linguistique des primo-arrivants, donner une meilleure visibilité de tout ce qui est assez accessible pour ce public-là. Donc en fait, voilà pourquoi ce webinaire a lieu aujourd'hui. Et donc je disais, il y a un double ancrage. Je vais du coup laisser Yannick compléter pour la partie communauté, investir dans la compétence, Yannick. Alors, merci Sandra. Donc, la communauté investir dans les compétences en Normandie, donc c'est un espace collaboratif et un espace de partage d'expérience pour les professionnels de l'emploi et de la formation en Normandie, plus précisément autour des projets du PIC et du PRIC. C'est pour ça effectivement que nous avons le plaisir ce matin d'accueillir trois lauréats hein, de l'appel à projet insertion professionnelle des réfugiés. Et je vous mets dans le chat le lien vers la communauté pour ceux qui, par hasard, ne seraient pas encore membres de la communauté. Je vous invite à la rejoindre pour plusieurs raisons, parce qu'effectivement, c'est une communauté qui réunit des professionnels en région et les informations qui seront partagées aujourd'hui seront diffusées notamment sur la communauté. Le webinaire de ce jour, bien entendu, les supports également, et puis quelques présentations de projets que nous vous partagerons également. Donc, je vous invite à rejoindre la communauté. Sandra, je te redonne la parole à nouveau. Merci Yannick. Donc, je rappelle aux personnes qui se connectent, s'il y a des personnes qui nous rejoignent en cours, parce qu'il y a toujours si c'est possible, de bien penser à couper vos micros et éventuellement aussi vos caméras dans un premier temps, parce que là, ça va être les intervenants et vous pourrez rallumer. Lorsqu'on deuxième temps du webinaire, je vous donnera plus la parole pour pouvoir intervenir. Merci en tout cas à vous. On va vous présenter le déroulé du webinaire, hein, parce que on a du coup, comme l'a dit Yannick, les trois porteurs de projet PIC qui sont présents aujourd'hui pour nous présenter ces projets-là. Le déroulé va être le suivant. En fait, on va laisser les différents intervenants présenter les trois dispositifs hein, que je vais leur laisser présenter chacun à tour de rôle. Donc ça sera un temps qui leur sera donné.
Je vous laisserai en fait à ce moment-là. Ce qu'on vous propose, c'est de réagir dans le chat si vous avez des questions, des interrogations pendant ces présentations qui seront faites. Et à la suite de ces trois présentations, là, on aura justement un moment d'échange avec vous pour que vous puissiez réagir et poser des questions éventuellement et vous donner des compléments aussi, hein, donc, on ne fera pas hésiter. Donc voilà ce qu'on vous propose comme déroulé. Donc Yannick l'a bien dit, vous aurez tout après en ligne sur nos sites. Je vous dis aussi en toute fin, évidemment, je vous demanderai de ne pas quitter le webinaire à la toute fin, comme souvent, il y aura un petit temps aussi un petit questionnaire de satisfaction. Donc restez bien jusqu'au bout du webinaire pour avoir l'ensemble du déroulé. Donc je vais dès à présent passer la parole pour commencer la présentation des dispositifs. Donc je vais laisser la parole pour le dispositif qui s'appelle PAR 76, Parcours d'accompagnement des réfugiés vers l'emploi en Seine-Maritime, à Yves Vernon qui est avec nous. Et je vais couper mon micro. Donc Yves, je te laisse prendre la parole. Très bien, écoutez, bonjour à tous, merci au Carrefour F et à la place pour l'invitation. Je tiens à présenter dans un premier temps les excuses de la chef de projet de PAR 76, hein, Camille Bradelet, qui malheureusement n'a pas pu être avec nous ce matin, et puis aussi remercier notre participant et notre témoin, Monsieur Diallo, voilà, qui va nous raconter à la fois son histoire de vie et comment le PAR 76 répond entre guillemets à ses besoins. Je vais essayer de tenir le timing. Donc le parcours d'accompagnement des réfugiés vers l'emploi en Seine-Maritime, qui est un projet qui est une opportunité pour nos entreprises, est un projet en fait qui est né en 2018. Juste rapidement un rétro-planning. En 2018, on est réunis par une volonté des acteurs locaux, une volonté du territoire de la Seine-Maritime et aussi de l'État, d'essayer de par rapport aux besoins des publics bénéficiaires de la protection internationale et j'ai envie de dire aux trous dans la raquette qu'on peut en tant qu'acteur déceler, il est décidé d'organiser une réunion au niveau des services de l'État et donc sont réunis les acteurs, donc les centres de formation, le service public de l'emploi, les organismes de formation qualifiants aussi et les centres d'hébergement ainsi que tout un tas d'associations locales qui accompagnent les publics. Cette réunion, il est décidé de porter une candidature commune autour d'un projet. Et ce projet qui s'appelle donc Parcours d'accompagnement des réfugiés vers l'emploi. Donc on est en fin 2018. Bon, on crée un consortium, on va dire, avec un délai relativement court, hein, puisque entre le moment des réunions et le moment de la réponse, on a eu à peu près un mois. Et donc, on a l'accord début 2019 qu'on fait partie des candidats retenus sur la première vague. On est reçus par le haut commissaire et la ministre à Paris. Et donc, on démarre réellement les parcours, puisqu'après, il y a les questions des conventions en septembre 2019. On va pouvoir passer à la slide du coup suivante. Les contextes et les enjeux du projet. Le constat qu'on faisait, donc c'est déjà une augmentation sur le territoire de la Seine-Maritime de la population bénéficiaire de la protection internationale qui rencontre des obstacles pour intégrer une formation qualifiante ou accéder à l'emploi. Des difficultés de prérequis en termes de niveau de français qui sont souvent assez élevées, ce qui constitue un frein sérieux à leur parcours d'insertion, et une situation qui se complexifie pour les publics réfugiés, notamment pour ceux qui n'ont pas été scolarisés dans leur pays, et notamment particulièrement pour les femmes et les jeunes. Le constat qu'on fait aussi en tant qu'organisme de formation, donc les organismes de formation du consortium que je présenterai dans un second temps, interviennent sur les actions de l'OFI, sur les formations linguistiques, interviennent aussi sur les actions Savoir langue française du conseil régional et participent à des plateformes locales autour de l'insertion. Le constat qu'on faisait avec les acteurs du service public de l'emploi, les collègues des missions locales, c'est qu'il y a souvent des ruptures de parcours entre la sortie des formations et c'est justement ces ruptures de parcours et le constat
qu'on pouvait faire, c'est qu'il y avait aussi des fois des formes de désapprentissage. C'est-à-dire qu'on avait des gens qui sortaient de formation linguistique avec un niveau et qu'on pouvait retrouver 3 à 6 mois après sur d'autres actions en ayant finalement, pour certains, perdu leur niveau acquis. Et donc, ces ruptures de parcours sont un vrai frein à leur insertion professionnelle. Du côté des acteurs de l'accompagnement et des entreprises, voilà, des difficultés à accueillir des réfugiés malgré leur motivation pour entrer en formation qualifiante et travailler, hein, la question notamment du niveau de langue et des prérequis à l'accès à la qualification, et des difficultés de recruter dans certains secteurs d'activité, voilà, qui connaissent des métiers en tension, et on a pu voir avec la crise qui a suivi qu'il y a eu une modification de ces métiers en tension. Le constat aussi qu'on faisait, pour donner un exemple, c'est qu'on pouvait avoir des prérequis en formation qualifiante qui des fois étaient plus élevés par l'obtention, par la nécessité finalement d'atteindre l'objectif de certification que des prérequis de recrutement. Ou dans certains secteurs d'activité, finalement, certains employeurs nous disaient, voilà, nous, on va former, entre guillemets, sur le tas, comme on dit, et on va, à un moment donné, voilà, s'il y a une motivation et s'il y a un niveau minimum de langue, on est en capacité de pouvoir accompagner la personne dans son process de recrutement. Donc, je reviendrai dessus tout à l'heure, parce qu'on a eu quelques expériences, notamment intéressantes. Donc voilà, pour présenter donc ensuite le consortium, donc je le disais, Média Formation, donc association de formation, éducation et formation, qui est présent aujourd'hui, Fodeno pour le territoire du Havre, donc éducation et formation pour le territoire de Rouen et de Dieppe et d'Elbeuf, la mission locale de l'agglomération rouennaise et la mission locale de du Havre estuaire littoral, et le réseau des Greta et le réseau de l'AFPA AFPA Normandie. Les trois territoires, le Havre, Rouen, Dieppe, avec essentiellement le Havre et Rouen. On a mené quelques parcours sur Dieppe, en fait, difficulté de trouver les publics. Souvent, Dieppe est une zone de transit, en fait, pour les publics qui s'installent ponctuellement, et donc des difficultés, finalement, à proposer ce type d'accompagnement. Du côté des bénéficiaires, donc l'accompagnement, il consiste à quoi? Donc, c'est un parcours d'accompagnement renforcé et personnalisé pour favoriser un parcours d'insertion professionnelle sans rupture. On est dans l'idée de faire du conseil à l'emploi, du coaching à l'emploi sur des publics qui ont soit un projet identifié, soit pas de projet du tout. En tout cas, on est sur de la multifilière. Et l'idée, c'est que dans le contrat d'engagement que passent les gens, bah, on leur propose un parcours pour leur permettre d'atteindre cet objectif avec du collectif et de l'individuel, des stages en entreprise. Mais ce parcours, il est complètement personnalisé et individualisé. L'accompagnateur emploi qui suit le bénéficiaire tout au long du parcours, donc un référent unique, un suivi attentif dans une logique d'accompagnement global, et surtout, ce qui fait vraiment la différence, alors qu'on a pu rencontrer dans les emplois d'avenir ou dans les actions du PLI, l'accompagnement qui se poursuit dans l'emploi et dans la formation qualifiante. Donc ça, c'est important parce qu'on avait aussi beaucoup constaté que beaucoup de ruptures lors des périodes d'essai ou les périodes d'intégration, finalement, se faisaient sur des éléments relativement minimes, des incompréhensions, des méconnaissances interculturelles, des interprétations. Et en fait, le fait de pouvoir continuer à accompagner pendant l'emploi, notamment, a permis de lever certaines difficultés. On a quelques exemples concrets aussi à donner à ce niveau-là. Notre réponse, donc des actions de sensibilisation du côté des acteurs de l'accompagnement, de l'insertion professionnelle et des personnes réfugiées, des médiateurs réfugiés à l'AFPA et au Greta. Donc ça, c'est des personnes, des ambassadeurs qui, quand ils ont des personnes qui sont du PAR 76, bah, permettent un accompagnement plus soutenu, en tout cas un support, et peuvent venir en soutien pour la réussite de l'atteinte de l'objectif de qualifiant. Des actions passerelles aussi, qui permettent justement de passer de l'action linguistique à l'action qualifiante, et puis une médiation entre le salarié et le bénéficiaire dans l'accompagnement et dans l'entreprise avec un service d'accompagnement des entreprises. Les principaux chiffres, donc au niveau des bénéficiaires de la protection internationale, donc je le disais, le réseau de partenaires institutionnels qui était autour de la table à un moment donné dans la création du consortium, donc les acteurs du logement, l'OFI, les associations caritatives, le Pôle emploi, les CCAS, les CMS, donc ils doivent être bénéficiaires du CIR ou en tout cas ayant fini la formation linguistique obligatoire de l'OFI, avec un niveau de langue minimum à l'oral, A1, et donc qu'ils aient validé le fait qu'ils soient bien en recherche d'emploi. Donc ça, les domaines professionnels qu'on retrouve dans les projets identifiés, donc 3% des personnes autour de la construction et du bâtiment des travaux publics, 12% autour du commerce,
12% aussi au niveau des services à la personne, la restauration, 10% autour des transports logistiques, et puis santé, installation de maintenance, support à l'entreprise et industrie. Les principales origines des publics qu'on accompagne dans le cadre du PAR 76, donc les Afghanistans, l'Afghanistan qui vient en premier, le Soudan, la Syrie, l'Érythrée, la Guinée, la Somalie, l'Éthiopie. Donc vous trouvez tous ces chiffres dans le support. Au niveau de l'âge, donc on a plus de la moitié des personnes qui ont moins de 26 ans. C'est d'ailleurs la place des missions locales dans nos consortiums. Hein, on a chaque organisme, donc éducation-formation, médias-formation, FODENO, mission locale de Havre et mission locale du Rouen, ont deux personnes conseillers, accompagnateurs emploi à temps plein. Et donc, les missions locales accompagnent du coup exclusivement les publics jeunes. Mais plus de 52%, ça veut dire que dans nos centres de formation, on a aussi des publics de moins de 26 ans. 38% entre 26 et 39 ans et 10% de 40 ans et plus. Ça, c'est important. Un tiers des personnes n'ont pas été scolarisées. On n'a pas voulu finalement mettre ce prérequis, puisque dans certains secteurs d'activité, l'accès à l'emploi reste possible, et donc on n'a pas voulu exclure à l'intégration dans le PAR 76 des publics qui n'étaient pas scolarisés. Les niveaux de formation, 68% de niveau inférieur au niveau 3, 5% de niveau 3 BEPCAP, 12% de niveau 4, 7% de niveau 5, de bac plus 2 et 8% de bac plus 3 et plus. 80% à peu près d'hommes pour 20% de femmes. Et la situation par rapport au logement, 45% en centre d'hébergement, 39% en logement personnel et 12% hébergés. 2,5% qui peuvent, dans le cadre de l'accompagnement, à un moment donné, être sans domicile fixe. Bien sûr, ça devient aussi un sujet essentiel dans le parcours. Et 1% en foyer de jeunes travailleurs. On continue du coup au niveau du support. Alors, en termes de résultats, donc 455 parcours engagés, dont 277 à Rouen et 174 au Havre. Sur l'accès à l'emploi, 10% des personnes qui ont terminé leur parcours sont en CDI, 11% en CDD de plus de 6 mois, 10% en CDD de moins de 6 mois, 6% en création d'entreprise, 5% en intérim, à peu près 20% en formation non qualifiante et non certifiante. Et donc, depuis 2019, 43% des bénéficiaires sont en emploi à l'issue du parcours, dont 21% en emploi durable, 15% en formation qualifiante. La durée moyenne du parcours est à peu près de 10 mois. On a un taux d'abandon de 8% qui a notamment été plus important durant la période qu'on a vécue de coupures liées au confinement, donc l'année 2020. Voilà, je passe du coup donc à la suite. En conclusion, et pour pas dépasser le temps imparti, les réussites qu'on a de cette expérience et de ce projet, c'est au niveau de la dynamique partenariale en lien avec l'écosystème. Ce qui est important, c'est qu'on a créé un consortium, et un consortium, ça se construit, ça ne se décrète pas, c'est comme un partenariat. Et donc, on avait chacun des logiques de travail différentes entre les missions locales, par exemple, et les centres de formation, entre les centres d'hébergement et puis les services publics de la TOA. Et en fait, autour de ce consortium, on a créé des liens de confiance qui finalement créent des synergies, ou en tout cas du plus sur l'ensemble de nos activités et pas que sur le PAR 76. Donc, on voit bien qu'il y a beaucoup plus de fluidité aussi dans les échanges et aussi au niveau de la sécurisation des parcours. Un coaching renforcé, ça c'est aussi très important. Les gens ont un référent unique, voilà, et donc on est vraiment sur des méthodes de coaching, hein, de ne pas faire à la place, d'amener les gens à prendre confiance dans leur capacité à. Un accompagnement qui se poursuit dans l'emploi et dans la formation qualifiante. Un exemple très rapide, pour donner un exemple très concret. On avait un salarié qui avait signé en fait un contrat à la Linière de Bosse Nouvelle, pour les citer, donc dans le lin, une entreprise de lin. Dans le cadre de ce contrat, et donc il était toujours suivi par son accompagnateur emploi, il y a un moment donné, il lui a été donné un logement de fonction, puisque l'entreprise est en dehors du territoire de Rouen. Ce logement de fonction avait une durée limitée, sauf que le salarié n'avait pas compris qu'il y avait une durée limitée dans ce logement de fonction. Et donc il est revenu vers l'accompagnateur pour en fait verbaliser le fait que l'entreprise voulait plus lui, que l'entreprise voulait le mettre dehors. Et donc en fait, le médiateur a pris contact finalement avec l'entreprise, il y a eu des échanges, et en fait c'était que le délai en fait était imparti à l'utilisation de ce logement, qui était le même pour tous les salariés, en fait avait été dépassé. Donc on a pu travailler avec notamment la commune de Claire pour trouver une situation. S'il n'y a pas à un moment donné cet accompagnateur emploi dans cette situation, on peut avoir une rupture de parcours, on peut avoir à un moment donné un contrat qui s'arrête. Donc ça montre l'intérêt vraiment de continuer à accompagner dans l'emploi. L'expérimentation de formation passée
passerelles. On a créé des passerelles, c'est-à-dire vers des métiers, donc vers les métiers notamment de la propreté, où on a mis les gens en plateau technique, un peu à l'instar des actions sectorielles d'Hashtag Avenir, mais vraiment spécialisées pour les publics réfugiés, donc avec des méthodes pédagogiques beaucoup basées sur l'oralisation et sur le geste professionnel. Ces passerelles, elles ont eu lieu, elles ont permis à des accès sur les titres pro formation qualifiante et aussi sur des contrats de pro d'accès à l'emploi. Et la continuité, donc ça, c'est dans les échanges qu'on a pu avoir au niveau national dans le cadre de la place, continuité de l'accompagnement pendant la crise sanitaire avec des méthodes, notamment WhatsApp qui a été l'outil et le lien. Et on a finalement perdu peu de personnes. Donc je pense que la question du référent unique, de la confiance qui a été donnée, a permis à un moment donné, en maintenant l'accompagnement, de pouvoir le perdurer une fois qu'on a pu recevoir de nouveau les gens en présentiel. Les difficultés rencontrées, parce que voilà, tout n'est pas simple. Au niveau du club d'entreprise, c'est compliqué de mobiliser. Alors, on a créé un événement, on a sensibilisé des entreprises dans un événement, dans un petit déjeuner, où on a fait venir une juriste autour du droit, du droit d'asile, qui a expliqué un petit peu la différence, les histoires de vie, les flux migratoires, et qui a beaucoup rassuré les entreprises aussi sur le côté légal, en fait, hein, de l'autorisation de travailler. Il y a beaucoup d'imagination et d'interprétation. Donc ça, c'était un bel événement. On a réussi aussi à participer à des groupes de travail avec l'État et notamment avec les acteurs de la dette pour travailler sur des filières en tension où on essaye de mettre en place des AFES, on essaye de mettre en place des contrats de pro interne pour à un moment donné continuer à finalement former le public réfugié dans l'emploi. Donc il y a des choses, mais on a eu du mal à mobiliser notamment avec cette période de confinement les stages en entreprise et créer vraiment des clubs d'entreprise et aussi mettre en place le parrainage. Donc ça, c'est un axe de progression. Et puis l'autre, pour terminer, c'est le développement des badges numériques. Ça avait été un axe qu'on avait voulu en faisant l'hypothèse que les badges numériques allaient être un langage commun entre les entreprises, les accompagnants d'emploi et les bénéficiaires. On sent bien qu'au niveau de l'entreprise, qui a des besoins en recrutement et des métiers en tension, on sent bien que le badge a encore quelque chose de très ludique, certes, mais on parle beaucoup de compétences, mais on sent ce côté, on sent que les entreprises ne se sont pas encore appropriées finalement ces questions d'endossement de badge numérique. Donc ça, c'est un axe qu'on souhaite développer pour les deux années qui nous restent, puisqu'on a, après avoir un accord d'un an, on a été renouvelé pour 2 ans. Voilà, je crois que j'ai dépassé le temps imparti. Je suis désolé si c'est le cas. Non, écoutez, on est bien sur le point. Je vais laisser la parole tout de suite à Laure Cognet. Merci beaucoup pour votre présentation et on pourra revenir effectivement sur les questions que vous pouvez poser sur le chat et on vous donnera la parole aussi, la parole au public tout à l'heure. La parole maintenant peut-être à Madame Prunier pour le projet STAR. Donc Madame Prunier, directrice du PLI du Cotentin, et vous allez être accompagnée, je pense, sur cette prise de parole de Madame Girard, qui est conseillère à Passerelle vers l'emploi, avec effectivement aussi un témoignage à venir de Madame Jouffe sur le parcours STAR. Madame Prunier, nous vous laissons la parole. Bonjour, je vous remercie pour cette invitation. Dans la structuration et dans le contenu du projet STAR, il y a beaucoup de similitudes avec le projet qui vient de nous être présenté. Alors, on a décidé en 2018 de se positionner sur l'appel à projet intégration professionnelle des réfugiés. Donc, aussi bien la mission locale du Cotentin que le PLI du Cotentin, ce sont deux services portée par la Maison de l'emploi de la formation du Cotentin, pour répondre à la difficulté que l'on avait d'avoir des dispositifs d'accompagnement qui étaient adaptés aux difficultés que rencontraient les publics réfugiés et en règle plus générale, des publics étrangers. Donc pour nous, cet appel à projet était vraiment une opportunité pour apporter des solutions sur notre territoire. Donc très rapidement, on a associé d'autres partenaires du Cotentin dans la réflexion et puis également à la mission locale du Centre-Manche. Alors on a eu des réunions successives avec les services de l'État, avec le conseil départemental, avec France Terre d'Asile, avec Pôle emploi. Et rapidement, l'idée a été de se dire pourquoi faire un projet uniquement sur le Cotentin et le Centre-Manche. Et il faut construire un projet à l'échelle du département, d'où ce projet que l'on appelle Solidarité territoriale dans la Manche, qui se déploie donc sur 3 territoires de la Manche. On passe au slide suivant.
Donc, on n'a pas réussi à apporter à la réponse sur la première vague de l'appel à projet, hein, parce que pour constituer une réponse et pour structurer un consortium, c'est pas simple. Donc, on s'est positionné sur la deuxième vague de cet appel à projet. Et dans le consortium, nous sommes 8 partenaires. Donc, la MEF qui pilote le consortium. Et plus particulièrement en interne, c'est moi et la directrice de la mission locale qui sommes les directrices de projet. On a également dans le Cotentin un organisme de formation qui est l'espace-temps FJT, 3 chantiers d'insertion, Filetère, Astre Environnement et Au fil de l'eau. En Centre-Manche, mission locale du Centre-Manche et un chantier d'insertion Tritou Solidaire. Et dans le Sud-Manche, il y a Passerelle vers l'emploi qui est à la fois chantier d'insertion, organisme de formation et association intermédiaire. Alors, vous voyez que dans l'indication de ces 8 partenaires, il y en a 3 qui apparaissent en rouge puisque ce sont les 3 structures qui assurent le coaching de parcours des bénéficiaires de la protection internationale que nous accompagnons. Alors, le projet, nous l'avons démarré le 1er janvier 2020. C'est un projet qui se déploie jusqu'au 31 décembre 2022. Hein, donc, on en est aux 2/3 du projet. Et donc, ce projet comporte 2 grands axes d'intervention. Vous allez voir, il y a les similitudes avec le projet PAR. Hein. Le premier volet, c'est l'accompagnement vers l'emploi des bénéficiaires, avec un objectif d'accompagnement de 200 personnes sur les 3 années du projet. Alors, on avait évalué ce nombre de personnes accompagnées en se disant qu'on aurait des parcours qui vont durer 1 an. En fait, très rapidement, on s'est rendu compte que des durées d'accompagnement d'un an étaient pas du tout adaptées au public que l'on accompagnait et qu'on était sur des durées de parcours beaucoup plus longue. Et ça, c'est vraiment un des premiers enseignements du projet, c'est qu'il faut prendre le temps pour accompagner de manière efficace et adapter le public des réfugiés. Et puis, le deuxième axe de travail, c'est des actions d'information, de professionnalisation des acteurs du territoire et également de communication autour de l'intégration professionnelle des réfugiés. Alors, sur le premier axe, l'accompagnement des bénéficiaires vers l'emploi, notre projet est structuré avec un coaching de parcours. On a 3 référents de parcours, donc une sur le Cotentin assurée par la mission locale, une référente de parcours sur le Centre-Manche qui est portée par la mission locale du Centre-Manche et une référente de parcours dans le Sud-Manche qui est portée par Passerelle vers l'emploi. Donc, ces 3 conseillères assurent un coaching, un accompagnement individualisé, renforcé dans l'emploi. On retrouve, je dirais, un peu l'ADN aussi de ce que l'on a dans les plis. L'objectif étant l'accès à l'emploi durable et un accompagnement durant 3 mois dans l'emploi. Et dans certains cas, on prolonge un petit peu cet accompagnement lorsque les conditions le nécessitent. L'objectif des référentes, c'est vraiment d'apporter tout le soutien par rapport à la préparation à l'emploi, l'accès à la formation, l'accès à la citoyenneté, faciliter les difficultés liées aux droits, l'accès aux droit. Donc, voilà. Dans le cadre de notre projet, nous avons également des actions spécifiques. Alors, pour la construction des parcours, bien évidemment, les référentes mobilisent toute l'offre de formation du droit commun, que ce soit l'offre de services pour les bénéficiaires du RSA, l'offre de services de la région, toute l'offre de services de Pôle emploi, bref, tout le droit commun, mais également des actions spécifiques que l'on développe dans le cadre du projet. Et ces actions spécifiques, elles sont développées dans 3 champs, donc la consolidation des compétences langagières. Donc là, les référents de parcours ont la possibilité de mobiliser des diagnostics linguistiques pour évaluer le niveau de maîtrise de la langue française. Donc là, c'est vraiment très utile pour
affiner la maîtrise des compétences. Et puis également, on propose des formations à visée professionnelle qui peuvent être mobilisées, par exemple, avant la réalisation d'une PMSMP en entreprise, l'entrée sur un chantier d'insertion. Donc, ce sont les référentes qui définissent à quel moment mobiliser ces fosses. Le deuxième axe d'action spécifique que l'on a développé dans le cadre du projet, c'est qu'on a demandé à pouvoir déroger sur l'utilisation des PMSMP en ACI. Vous savez, les chantiers d'insertion peuvent mettre en place des PMSMP dans le cadre des parcours des personnes, mais ces PMSMP doivent être réalisés sur d'autres structures et en tous les cas, elles ne peuvent pas être réalisées sur les activités de production des chantiers d'insertion. Nous, dans le cadre des projets, on a demandé à ce qu'on puisse faire réaliser des PMSMP aux personnes que l'on accompagne sur les activités de production des chantiers d'insertion. Alors, vous voyez sur les photos qu'il y a sur le côté, on voit des personnes qui travaillent dans l'horticulture. Donc, on va faire une PMSMP aux personnes sur l'activité de production, ce qui permet d'avoir une évaluation des compétences des personnes, de l'intégration dans l'équipe, dans le cadre d'une entreprise, je dirais, qui est bienveillante et qui a une expérience et une expertise dans l'accompagnement des publics en difficulté d'accès à l'emploi. On a également, alors dans le cadre de ces PMSMP en ACI, les bénéficiaires bénéficient d'un tutorat renforcé. Les encadrants de chantier apportent une attention très particulière pour l'intégration de ce public, et également les accompagnateurs socioprofessionnels. Dans le cadre du projet également, on finance un tutorat renforcé dans le cadre de CDDI, de contrat en insertion. Là aussi, c'est permettre d'avoir un accompagnement adapté aux personnes dans le cadre du chantier. On peut également mobiliser, toujours dans le cadre du parcours des formations d'adaptation des compétences, donc là aussi lié au métier ou au secteur d'activité dans lequel exerce la personne. Troisième volet du projet, donc des actions spécifiques du projet, on a une enveloppe financière qui nous permet de financer des permis de conduire, également une enveloppe financière qui nous permet de mobiliser des formations d'adaptation des compétences, que ce soit des CACES, donc c'est en fonction du parcours que l'on peut mobiliser cette enveloppe financière. Et puis également, on a un volet qui concerne la santé. Vous savez très bien que le parcours migratoire est très difficile. Les difficultés psychologiques, les traumas vécus par les personnes que nous accompagnons sont prégnantes. Et donc, il nous a paru important de pouvoir mobiliser des temps d'écoute pour les personnes que l'on accompagne. Et alors, on a un intervenant sur le Cotentin qui propose des intervenants d'écoute. On n'avait pas cette possibilité-là pour le centre et le Sulmanche. Donc, du coup, on propose de mobiliser des heures d'interprétariat en accompagnement des démarches de soins sur le centre et le Sulmanche. Alors, si on passe au slide suivant, donc aujourd'hui, fin octobre, on a accompagné 103 personnes, là encore très majoritairement des hommes, avec la répartition, donc 19 personnes dans le Sud-Manche, 31 personnes sur le Centre-Manche et 53 dans le Cotentin. La tranche d'âge, on a 42% de jeunes de moins de 26 ans, on avait un objectif d'avoir à peu près 40% de jeunes de moins de 26 ans. On a quand même 12% de personnes qui ont plus de 40 ans. C'est là aussi un public qui était ciblé dans le cadre de l'appel à projet. Dans les nationalités, on retrouve des similitudes par rapport à la Seine-Maritime. La moitié des personnes que nous accompagnons viennent de l'Afghanistan ou du Soudan. Ensuite, il y a la Syrie et l'Érythrée. Sinon, on a 14 autres nationalités d'origine des personnes que nous accompagnons.
Au niveau des niveaux de formation, là encore avec des similitudes dans ce qui nous a été présenté tout à l'heure, on a 20% des personnes qui n'ont jamais été scolarisées dans leur pays d'origine. Ça traduit aussi, tout le travail qu'il y a à faire dans l'accompagnement, notamment à la maîtrise de la langue française, qui reste quand même un élément, une difficulté majeure dans l'accompagnement des publics. Et également, dans les enseignements que l'on tire du projet, c'est qu'il y a vraiment à renforcer la continuité des dispositifs de formation pour les personnes. On a plusieurs réponses de formation, mais ces réponses sont avec des ruptures, avec des prérequis qui sont difficilement compatibles pour permettre à une personne d'avoir une évolution fluide dans la maîtrise de la langue française. On passe au slide suivant. Alors, aujourd'hui, on a enregistré 34 sorties du dispositif. Si on enlève les déménagements hors du territoire de la Manche, 66% des personnes qui ont été accompagnées dans le cadre du dispositif STAR sont soit en emploi, soit en formation. Vous avez le détail là des différentes sorties de parcours. Les emplois sont dans différents secteurs d'activité. Le département de la Manche est un territoire qui a une dynamique économique très très importante. On a un taux de chômage qui est inférieur de 2 points au taux de chômage de la région et au taux de chômage national. Les entreprises sont en recherche de compétences dans de très nombreux secteurs d'activité. Donc là aussi, c'était un terreau, je dirais, favorable pour mener un projet. On voit que les entreprises sont très intéressés par le projet puisque ça leur permet d'identifier des personnes, des compétences qui peuvent intégrer leur entreprise. Donc ça fait le lien avec le slide suivant. Donc le deuxième volet de notre projet, donc il y avait un volet accompagnement du public. Le deuxième volet, c'est l'information et la sensibilisation des acteurs du territoire. Donc information et sensibilisation des entreprises. Nous avons réalisé différentes interventions auprès d'entreprises de nos trois territoires. Une intervention auprès des entreprises adhérentes de l'ESCOS, qui sont des entreprises sous-traitantes des grands donneurs d'ordre industriels du Cotentin, Orano, EDF, Naval Group. On a fait également une intervention dans le cadre d'une action qui s'appelle 90 minutes RH, qui est animée par la CCI Ouest Normandie en partenariat avec la MEF. Donc là, on est intervenu auprès d'une trentaine d'entreprises. Il y a eu au mois d'octobre également une intervention auprès d'entreprises adhérentes de la CPME à Saint-Lô. On a réalisé une plaquette spécifique à destination des entreprises pour le recrutement des personnes bénéficiaires de la protection internationale. On a un agenda diversité, agenda RSE de la MEF également, qui dans la thématique l'année dernière était sur la migration. Et puis, on a une intervention qui est prévue auprès des entreprises en janvier sur notre territoire. Alors, je vais passer la parole à Claire. Je ne sais pas si elle est connectée, Claire Girard, pour que tu puisses préciser notamment les retombées qu'on a eues par rapport à deux interventions que l'on a faites, donc l'intervention dans le cadre du 90 minutes RH, l'intervention également auprès des entreprises adhérentes de la CPME dans le centre Manche. Je vous demandais par contre l'heure de faire relativement court. Oui. Merci beaucoup. Alors du coup, oui, pour compléter l'intervention de Laure sur l'action de sensibilisation des entreprises, donc nous avons participé, enfin, l'association Passerelle vers l'emploi a participé à l'action 90 minutes RH de la CCI Ouest Normandie au mois de mai. Et lors de cette intervention, on a pu avoir des contacts intéressants avec une entreprise du secteur de la EPNL dans le Sud-Manche qui était à la recherche d'un candidat pour un poste de métallier. Et donc, on a pu positionner un de nos candidats bénéficiaires du projet STAR sur une action de PMSMP en entreprise, du coup, sur cette entreprise. Il y a eu une période de 4 semaines et à l'issue de cette période de stage, l'entreprise a proposé un CDD d'1 mois à cette personne.
Et ça s'est plutôt bien déroulé sur l'intégration dans l'entreprise. Et aujourd'hui, monsieur a pu signer un CDI au mois d'octobre. Et l'accompagnement STAR se poursuit jusqu'à la fin de l'année. Et c'est donc un parcours positif pour cette personne. Et pour compléter également, on a pu avoir un contact à la suite de la rencontre du 5 octobre avec la CPME, avec une entreprise de Saint-Hilaire-du-Harcouët dans le domaine de la charpente et couverture, qui est actuellement en recherche de candidats également. Et on est en train de positionner une personne en stage qui pourrait réaliser ensuite une action de formation préalable au recrutement financée par Pôle emploi dans le but d'intégrer durablement cette entreprise par la suite. Donc, la collaboration avec le projet STAR du coup, a permis à une personne de pouvoir intégrer du coup, une entreprise dans le bâtiment. Et juste pour finir, dernier volet, on a un volet professionnalisation des acteurs avec des sessions de formation qui sont prévues en 2022, à la fois sur les éléments juridiques applicables au droit du travail des étrangers et également sur le volet interculturalité. Voilà, excusez-moi pour le temps un peu long. Merci beaucoup Laure, merci. Nous reviendrons encore une fois, à l'issue des présentations aux questions des participants, je laisse la parole sans plus tarder à Claire Yonnet pour la présentation du projet Agir 14+, donc sur le territoire de Caen-la-Mer. Bonjour à tous, merci. Donc Agir 14+, ça va un peu passer directement à la diapo suivante. Donc l'acronyme signifie accompagnement global pour l'intégration des réfugiés dans le Calvados. Et en fait, il fait suite à un projet qui s'appelait Agir 14, qui avait été initié en 2018 sur le département du Calvados et qui était piloté à l'époque par l'État. Alors, juste une précision, Agir 14+, on n'a aucun lien avec le dispositif national Agir qui est en cours de déploiement actuellement au niveau national, qui va se déployer dans 27 départements. Mais on a, à part le nom, parce que l'acronyme veut dire exactement la même chose aussi. Donc, on a répondu, nous, à l'appel à projet du PIC IPR et on a été retenus lors de la troisième vague. On a été conventionné en fin juin 2020, donc jusqu'en juin 2023. Donc, on a un peu moins de recul que les autres projets parce que alors on a 18 mois de, à peu près 18 mois là de conventionnement, mais on a véritablement 15 mois là de réalisation de projet. Non, tu peux poursuivre Sandra. Alors sur Agir 14, les membres du consortium donc Calmec donc dont je fais partie qui coordonne en fait le projet, on a l'école des parents et des éducateurs du Calvados, on a Nathalie Tinette directrice qui est présente aujourd'hui qui pourra aussi répondre aux questions. L'AFPA, la mission locale Caen-la-Mer Calvados Centre et FAS Normandie, la Fondation Agir contre l'exclusion. Sur les partenaires techniques et financiers, donc comme les autres projets, on a un certain nombre d'acteurs qui évoluent et qu'on sollicite sur différents sujets. On a l'État qui est fortement impliqué, la région, le département, l'OFI, Pôle emploi et l'INFREP. L'INFREP, j'aurai l'occasion d'y revenir et un certain nombre aussi de partenaires qui gravitent autour. Sandra. J'ai essayé d'être assez rapide. Alors, l'objectif de ce dispositif, donc c'est comme les deux autres projets, de favoriser l'insertion professionnelle des bénéficiaires de la protection internationale en apportant une réponse globale en termes d'accès à l'emploi. On a pour objectif d'accompagner 350 bénéficiaires de la protection internationale sur les 3 années à l'échelle de l'ensemble du Calvados. Alors actuellement, on est surtout les accompagnements se font essentiellement sur Caen et sur Lisieux, parce que les prescriptions viennent de Caen et Lisieux, hein, sinon on ne pourrait intervenir rien. Les prérequis pour intégrer Agir 14+, donc bénéficiaire de la protection internationale, primo-arrivant, donc sur le territoire national depuis moins de 5 ans, et il faut être signataire du CIR et avoir suivi la formation
OFI. Alors, je vais vous décrire le parcours. Alors là, c'est le parcours global et puis après, je reviendrai un peu plus dans le détail de chaque étape de parcours. Donc d'abord, la prescription, ensuite une commission technique qui va valider ou pas, l'accompagnement global, une préparation et accès à la formation avec pour permettre l'accès au dispositif de droit commun d'orientation de formation, une phase de préparation à l'emploi et comme pour les autres... deux autres projets, une phase d'accès et suivi dans l'emploi, parce qu'on le souligne tous, mais cette phase de suivi, une fois que les personnes ont accédé à l'emploi, est primordiale pour sécuriser leur intégration. Alors, d'abord, la prescription qui se fait via une plateforme numérique. Ensuite, une commission technique qui se réunit tous les 15 jours, et qui est composé des membres du consortium, de Pôle emploi, l'OFI, l'État et des prescripteurs qu'on associe. Et voilà, on va étudier les situations, les souhaits, et on va valider ou pas l'entrée sur Agir 14+. Ensuite, donc, l'accompagnement global qui se met en place. Alors, pour les moins de 26 ans, ça va être la mission locale, enfin sur le bassin de Caen. Pour les plus de 26 ans, ça va être le PE. Et sur les autres territoires donc, qui ne sont pas couverts par la mission locale sur le Calvados, ça va être le PE qui va prendre en charge public jeune et adulte. Donc là, l'accompagnement global, il va commencer par un premier entretien diagnostique, à la fois une évaluation linguistique et puis un point sur l'expérience, le projet professionnel, niveau de formation, et puis toutes sortes de freins qui vont se poser pour le parcours. Un accompagnement global et individualisé, donc à la fois professionnel, social, santé. Donc Nathalie pourra peut-être en dire deux mots sur l'aspect santé. On a mis en place des diagnostics psycho en début de parcours et ensuite, en fonction des besoins, peut se mettre en place un accompagnement ou pas. Un accompagnement sur le logement. On aura, juste après ma présentation, un témoignage de Mme Alkirem qui montrera le lien justement qui est primordial pour sécuriser aussi le logement, sur la garde d'enfants et puis tout l'aspect administratif aussi qui est accompagné. Et puis le gros travail quand même sur le projet professionnel. L'idée c'est... Ils ont envie de travailler tout de suite, hein, mais voilà, l'idée c'est aussi de travailler sur un projet à plus long terme aussi, par rapport à leurs envies aussi. Sur la mobilité, juste, on travaille, donc on a une prestation spécifique avec la plateforme mobilité de l'INFREP. Et là, il y a tout un accompagnement autour de l'apprentissage du code et de la conduite. Travailler sur le vocabulaire notamment, une vélo-école et travailler aussi au niveau des vélos assistance électrique. La phase de préparation et accès à la formation, avec la possibilité de créer des modules préparatoires à la formation. Ça va être possible aussi pour préparer aussi à la prise de poste, ça, avec une méthodologie fausse, apprentissage du français sur objectif spécifique. Donc, on va travailler vraiment le vocabulaire qui va être nécessaire pour la formation visée et l'élaboration d'outils de remédiation cognitive. Ensuite, donc, une phase d'accès au dispositif de droit commun, donc comme les autres dispositifs, dans les autres projets, on s'appuie sur l'offre. Sur l'offre notamment de la région en termes de formation. Phase de préparation à l'emploi, donc là, notamment avec FAS Normandie, on va travailler justement avec les entreprises du territoire pour les mobiliser et puis faciliter les mises en relation avec des visites d'entreprise, des périodes d'immersion aussi. Et un travail aussi qui est fait justement avec les entreprises pour les sensibiliser à l'accueil de public BPI, sensibiliser à la fois les entreprises mais les salariés pour faciliter leur intégration dans l'entreprise. Des formations de tuteurs aussi qui sont déployées
avec un module dédié à l'interculturalité, un accompagnement individualisé alors pour accéder à l'emploi, hein, avec vraiment un accompagnement individuel pour jusqu'à l'entretien et ensuite le suivi dans l'emploi. Des entrées en chantier et on va mettre en place, on ne l'a pas encore déployé parce qu'on n'a encore pas assez de volume, mais un coaching d'un groupe de BPI pour faciliter leur accès à l'emploi, donc en parallèle de l'accompagnement individualisé. Et enfin, la dernière phase, qui est une phase d'accès et suivi dans l'emploi, avec donc la construction d'un kit méthodologique post-recrutement pour aider justement les entreprises pour lever des freins qui pourraient se poser, en plus de l'accompagnement et des mentors qui sont désignés dans l'entreprise pour accueillir et accompagner le BPI dans leur poste. Et régulièrement, il y a des entretiens tripartites justement avec l'accompagnateur, le bénéficiaire et l'entreprise. Voilà, retour d'expérience. Donc, j'ai moins de chiffres que les autres, mais après 18 mois donc, de conventionnement, on a 16 mois à peu près de fonctionnement. On a reçu donc 136 prescriptions. On a 92 prescriptions donc, qui ont été validées. On a actuellement 84 bénéficiaires qui sont en parcours. On a bien évidemment subi la crise sanitaire avec un impact. Alors en fait, nous, c'était au moment du lancement du projet et donc il y a eu un impact sur la dynamique de lancement et sur les prescriptions, notamment pour faire connaître et relancer les prescriptions. Les autres n'en ont pas parlé, mais je vais en dire deux mots. Depuis début mai, donc, il y a la rémunération des BPI de moins de 30 ans accompagnée dans le cadre des projets PIC, qui a un impact sur nos projets et sur les bénéficiaires, qui des fois peut avoir un impact même pervers, parce qu'en termes de rémunération, ils peuvent avoir des baisses si jamais ils accèdent à certains dispositifs en cours de parcours. Les difficultés, on a des délais, nous, on a eu, ça se résorbe, donc on espère que là, on voit le bout du tunnel, mais des délais d'attente sur la formation SLF qui va retarder le travail d'insertion professionnelle, parce qu'on a beaucoup de publics qui passent par la formation, par cette formation, savoir en langue française. Pour se perfectionner en français parce que en sortie de formation au fil, le niveau est souvent insuffisant. Et voilà, on a nos premières sorties là, d'Agir 14 qui sont positives. On a déjà des beaux parcours avec des insertions professionnelles réussies en entreprise et plusieurs CDI déjà qui sont signés, mais on a un volume qui est encore trop important pour sortir vraiment des chiffres. Voilà, je vais passer la parole à Madame Diane Elkirem, avec qui on travaille sur Agir, qui est un prescripteur important, dispositif du DALIR. Et donc, je trouve ça intéressant qu'elle puisse témoigner aujourd'hui sur la complémentarité de nos dispositifs et la façon dont on travaille ensemble. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Donc voilà, avant de présenter les complémentarités que l'on a observées avec Agir 14+, je voudrais vous présenter notre dispositif, le DALIR, donc dispositif d'accompagnement au logement et à l'insertion des réfugiés. Voilà, merci pour le slide. Donc notre dispositif DALIR propose un accompagnement social global à adapter aux besoins de chaque ménage. On propose un accompagnement social pour 25 ménages pendant une période de 6 mois, pouvant être renouvelé 6 mois de plus, donc un an en tout. Ça peut être des personnes isolées avec cousins-enfants ou des familles avec enfants. Donc, nos missions principales, c'est donc accompagnement social global donc, pour favoriser l'insertion et l'autonomie des ménages.
avec comme principale mission l'accompagnement vers et dans le logement. L'objectif important, donc c'est le maintien, c'est déjà l'accès dans le logement qui est assez difficile, mais le maintien également qui est très important, avec un accès et un maintien au droit. Donc, droit CAF, droit financier pour l'emploi s'il y a eu du travail avant, droit à l'unité familiale par la réunification familiale et de façon plus globale encore, l'accompagnement à l'insertion socio-professionnelle. C'est un dispositif qui est financé par l'État, donc par la DETS ou des DETS, qui est renouvelé tous les ans depuis septembre 2018. Pour accéder à notre dispositif, les ménages, d'abord, donc, ils doivent, il y a un service social référent qui doit envoyer une fiche navette à la DETS. La DETS ensuite se réunit par une commission et qui répartit ensuite les ménages vers les différents dispositifs d'ABDL BPI. Donc nous, on fait partie des dispositifs accompagnement vers et dans le logement pour le public BPI. Donc ensuite, on reçoit la personne à qui on explique nos missions. On effectue un suivi global pendant un an. Et à la suite de cet accompagnement, on passe à un accompagnement vers le droit commun. Donc ça peut être les USDA, le CCAS, donc Pôle accueil, ou un accompagnement, s'il y a encore besoin d'accompagnement plus poussé, on oriente vers un accompagnement vers l'USA. Pendant ce suivi, ou voire même peut-être un petit peu avant la fin, c'est là qu'intervient Agir 14+, par rapport à la mission d'insertion professionnelle. Par rapport aux complémentarités que peut apporter Agir 14+, à notre accompagnement avec nos ménages BPI, nous, ce qu'on a observé, c'était vraiment l'accès vers la formation linguistique qui permet un travail sur l'autonomie parce qu'on a, par rapport à nos bénéficiaires non francophones et qui n'ont pas aussi été scolarisés dans leur pays d'origine, on a remarqué des difficultés de compréhension à l'écrit de différents courriers administratifs ou voire aussi de leurs messages qu'ils reçoivent de différents organismes. Donc, ça, c'est vraiment une plus-value et qui permet un travail sur l'autonomie par l'accès à l'apprentissage du français. Ensuite, voilà, la synchronisation des missions des deux dispositifs permet donc l'accès à la formation et à l'emploi. Donc là, on peut vraiment voir la possibilité pour ce public d'entrevoir un avenir sur le long terme avec l'accès à la formation et à l'emploi. Et donc pour nous, c'est vraiment un axe important parce que ça, voilà, c'est le long terme et donc l'insertion en France de façon globale, pas seulement sur l'insertion sociale, mais aussi professionnelle. Donc, et pour la troisième complémentarité, j'ai pensé, je trouve qu'avec nos échanges réguliers, entre nous et Agir 14+, ça nous permet de travailler sur les parcours des bénéficiaires et d'avoir un regard à la fois social et professionnel. Et voilà, par l'échange de nos diagnostics, on peut aussi travailler sur la levée des freins et la mise en confiance des personnes. Alors, comme exemple de suivi en commun, on a choisi une dame qu'on va nommer Madame X. Donc, l'accompagnement du DALIR, nous, ça nous a permis de travailler sur l'accès au logement pérenne, parce qu'à la base, c'était une dame qui était hébergée sur les dispositifs d'extrême urgence sur Caen. Donc, peu à peu, on a travaillé sur l'accès à un hébergement sur le 115 type hôtel. Et ensuite, cette dame, elle a pu accéder à un logement social
Et nous, on a travaillé sur le maintien dans le logement par le biais de la gestion budgétaire, de l'accès aux droits. Et en parallèle avec Agir 14, on s'est mis en lien pour que eux ils puissent travailler sur l'accès à la formation. Donc c'est une dame qui a accédé à la formation hashtag Avenir, action sectorielle. Puis à la suite de cette formation action sectorielle, elle a pu bénéficier d'une formation qualifiante auprès de l'AFPA. Et aujourd'hui, elle a un titre. Elle a obtenu son titre de cuisinier et elle est en train de travailler avec Agir 14 Plus pour son projet de création d'entreprise. Donc voilà. Merci beaucoup, Madame Alkirem, pour cette précision et complémentarité avec le projet Agir Plus. Merci à nos intervenants. Sans plus tarder, peut-être une première question des participants. Je vois une question par rapport au diagnostic psychologique dans les... Oui, une question de projet à projet, effectivement. Alors Nathalie, Tinette, je pense que ça va être plus à même de répondre sur cette question par rapport au public allophone. Oui, bonjour à tous. Donc, par rapport au diag psy, on le fait au démarrage du parcours et nous avons la chance d'avoir un psychologue qui maîtrise l'arabe et l'anglais courant. Donc, lorsque la maîtrise de la langue n'est pas suffisante pour pouvoir démarrer le travail, il est en capacité de communiquer assez facilement sur les objectifs et d'élaborer un premier diagnostic. Voilà. Merci beaucoup. Donc, question courte, réponse courte, ça c'est parfait. Peut-être une autre question du public ? Alors, je crois que nous avons également quelques témoignages possibles. Hein. Ah, une autre question, là. Dans le dispositif d'Alir, vous avez signé une convention avec Agir 14+. C'est une question. Y a-t-il un conventionnement entre d'Alir et Agir 14? Non, il ne s'agit pas d'un conventionnement. En fait, d'Alir est prescripteur au même titre que d'autres structures, soit d'hébergement, des organismes de formation, enfin, toute structure. Et du coup... Voilà, c'est un partenariat, mais il n'y a pas de convention entre nous. Merci Claire. Une autre question alors de Starmanche, toujours. Hein, le kit de positionnement et son contenu. Alors, est-ce que vous pouvez préciser la question peut-être, Aurélie? Je me suis trompée, ce n'est pas le kit de positionnement, c'est ton kit méthodo post-recrutement, pardon. Ah, alors le contenu, mais ça on pourra vous le diffuser. Hein, c'est, d'accord, ok, Claire. Pas, voilà, c'est pas secret, c'est FAS Normandie qui a travaillé voilà, sur une ingénierie et avec des entreprises. Il n'est pas encore. On a commencé à le tester, mais voilà, on pourra vous le communiquer, on va peut-être attendre un petit peu, mais sans problème, ce sera déployable. À d'autres, c'est le but de ces projets PIC. Tout à fait, merci Claire. Donc. Merci. Une autre question peut-être dans la salle du public. Non, peut-être. S'il n'y a pas de question, Yannick, peut-être on passe à un petit témoignage court parce qu'on a aussi la chance d'avoir des. Bonjour. Des bénéficiaires de dispositifs qui sont avec nous et pour témoigner de leur parcours. Alors, je ne sais pas du coup qui veut prendre d'abord la parole. Dorothée Rimbert ou Aurélie, je vous laisse y aller. Oui, bonjour. Vous nous entendez? Bonjour. Oui. Ok, super. Donc, moi, je m'appelle Dorothée Rimbert, je suis accompagnatrice emploi sur le dispositif PAR 76 à Rouen. Et du coup, je travaille à Média Formation. Et aujourd'hui, je suis avec Aliou Diallo, qui est sur le PAR depuis le mois d'août. Du coup, il voudrait vous dire un petit mot sur son expérience sur le PAR. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Aliou Diallo. J'ai 32 ans, et je suis guinéen et je suis en France, ça fait maintenant 3 ans
Et j'ai rencontré le parc 76 au mois d'août. Et en Guinée, je faisais du transit au port de Conakry. Et arrivé en France, j'ai fait une formation de coffreur-bancheur à l'AFPA pour que je puisse trouver du travail. Mais après avoir travaillé 9 mois, j'ai pas le métier, en fait, il m'a pas plu. Et c'est en ce moment que j'ai rencontré le parc 76. Et depuis ça, on nous accompagne individuellement. Et nous faisons aussi des ateliers collectifs. Et dans ces ateliers collectifs, on nous apprend à faire des CV, des lettres de motivation. Nous simulons aussi des entretiens d'embauche. Et tout cela, c'est ce qu'on fait au Parc 76. Et aujourd'hui, je sais ce que je veux faire. J'ai envie de faire le transit au port de Rouen. Et par rapport à ça, Dorothée m'a aidé à trouver un stage de 3 semaines au port de Rouen qui débutera au mois de janvier. Et l'objectif de ce stage, c'est de savoir vraiment si le boulot va me plaire ici, parce que en Guinée, j'aimais beaucoup ce boulot et j'aimerais savoir faire la part des choses, savoir vraiment si le métier va me plaire ici ou pas, et aussi rencontrer des professionnels dans le domaine pour avoir plus d'idées dans le domaine. Et après, j'aimerais aussi être accompagné par Dorothée pour m'aider à trouver soit un emploi ou une formation en fonction du stage que j'ai fait au port de Rouen. Et c'est ça. Et très bien. Voilà. Merci à Liu. Merci. Merci. Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci. Une question, une main levée de Monsieur Dublaron. Oui, bonjour. Chambre de commerce Ouest Normandie à Cherbourg. Je voulais savoir s'il y avait des bases de données ou du moins des orientations sur les qualifications ou les types de métiers qui étaient déjà connus par les personnes qui viennent sur le territoire. Vous pouvez répéter la question là, parce que... Je pense pas qu'il y ait de base qu'on identifie pour les personnes donc qui ont un statut de BPI, les qualifications, les niveaux de formation. Par contre, lorsqu'on est intervenu dans le cadre du 90 minutes RH, François, on avait présenté les personnes qui étaient disponibles pour prendre un emploi avec leur expérience et leurs compétences professionnelles. Mais une base de qualification enfin, à ma connaissance, non, ça n'existe pas, à ma connaissance. Oui, en fait, ça correspond, la réponse que tu me fais, Igor, ça correspond à ce que je recherche, quoi. L'idée étant de pouvoir réfléchir avec des entreprises qu'on connaît à partir de la base qui existe, enfin des compétences qui sont déjà disponibles. Je me permets peut-être un complément sur ce questionnement qu'on a souvent. En fait, quand on travaille les parcours de vie des personnes, quand ils arrivent dans les différents dispositifs qui sont relativement proches, il y a le travail autour du projet professionnel à court, moyen et long terme qui est identifié. Et quand on évoque finalement les différents métiers. Alors après, se pose la question de la reconnaissance des compétences en France et la reconnaissance des diplômes. On sait que on est
un pays très protectionniste hein, au niveau des diplômes. La VAE, en tout cas les difficultés de VAE le démontrent pour des personnes qui sont nées dans le pays et pour qui c'est déjà très compliqué. En fait, on se rend bien compte souvent qu'il y a différentes expériences de vie et différents métiers très souvent. On a des gens qui peuvent avoir 4-5 métiers complètement différents quand qu'ils ont exercé dans leur pays. Et donc le travail, c'est d'essayer de voir déjà quelles compétences ils ont pu mettre en avant dans le cadre de ces métiers et d'essayer de voir si elles sont compatibles avec les exigences des métiers sur notre secteur d'activité. Donc on a, en termes de base de données, on peut en tout cas, pour vous dire, la base de ce que souhaitent les gens, quels sont les projets que les gens ont dans le cours de l'accompagnement et sur lesquels ils recherchent un emploi. Par contre, très souvent, il y a un vrai décalage entre les métiers qu'ils ont pu exercer dans leur, entre guillemets, pays d'origine et les métiers qu'ils souhaitent exercer maintenant qu'ils sont arrivés en France. Merci. Merci beaucoup, Yves. Des questions dans le chat. Alors, une question pour le projet Starmanche. Initialement, vous partiez sur un accompagnement pendant un an, puis au cours du projet, vous êtes rendu compte qu'il serait nécessaire d'allonger cette durée. Pouvez-vous en détailler les raisons ? Question longue, réponse courte. Aurélie, tu peux répondre. Écoutez, les raisons, comment vous dire hein, donc déjà, on a démarré le projet avec la crise sanitaire. Donc, de toute façon, on a reculé d'autant de temps les démarrages sur les actions de formation et autres. Le contrat d'engagement est de 12 mois avec une prolongation possible jusqu'à 24 mois qui est la durée du projet hein, sur les pics, la durée du parcours sur les pics. Les raisons, c'est tout l'accompagnement, tout le reporting, tout l'accompagnement entre guillemets global en fait. Sur le projet, on s'était, même s'il y a de l'intégration citoyenne et puis un travail d'accompagnement global, le coaching réside dans l'insertion vers la formation et l'emploi. Et là, on voit nettement que c'est impossible de travailler que ce volet-là, hein, bien évidemment. Donc, beaucoup de travail avec les partenaires au niveau du social, du logement, de la santé. C'est des raisons principales. Pour lesquels on fait des prolongations sur l'accompagnement. Merci beaucoup. Je ne sais pas si ça convient, hein, mais comme réponse à Sophia da Baldoub. Si, merci. Merci beaucoup. Ok, Sophia. Merci beaucoup, Aurélie. Une demande aussi de contact pour Claire. Claire, je ne sais pas si tu donneras ton téléphone ou ton mail, mais. Oui, tout à fait. Mon numéro de téléphone et mon mail, je vais pouvoir les donner là dans le chat. Il y a aucun souci. Juste moi pour compléter aussi sur Sarmanche le propos. Nous aussi sur Agir 14+, on s'est rendu compte que la durée d'accompagnement était plus longue que prévu parce qu'on s'aperçoit déjà que les publics, quand ils nous sont prescrits, donc en sortie de formation au FI, donc c'est ce que je disais, souvent une formation savoir langue française est souvent nécessaire avant de pouvoir penser formation qualifiante. Là, vu les délais qu'il y a entre l'accès, la formation ensuite, tout ce temps-là, il est difficile de travailler en parallèle le projet professionnel. Et du coup, si on les rentre trop tôt, et c'est ce qu'on fait, hein, parce qu'on commence, mais du coup, ça décale d'autant la sortie. Et du coup, nous aussi, on a tendance à augmenter la durée par rapport à ce qui était initialement prévu. Donc, je vais transmettre mes coordonnées et il y a l'EPE aussi qui intervient sur l'ISIE qui peut être un bon contact pour accès à la formation ISIE. Oui, Claire, je veux bien aussi que tu transmettes mes coordonnées. Merci. Je transmettrai les miennes et du coup par téléphone, comme ça on pourra échanger et je transmettrai sans problème. Parfait. Ton micro est coupé, Yannick. Pardon. Merci Claire, merci pour ce complément. Aurélie, vous n'êtes pas seule, j'ai l'impression. Vous êtes accompagnée de Fatih qui voulait aussi nous proposer un court témoignage. Je me demande s'il n'y a pas un petit souci, car je viens de voir que c'est écrit que nous ne sommes plus connectés ici à la MEF. Par Fatih, Aurélie.
Donc, ah, malheureusement, on a un problème de déconnexion. Alors, j'espère qu'elles vont pouvoir se reconnecter. J'ai eu le même problème. Donc, voilà, c'est bon. J'ai rien entendu, c'est dommage, c'est pas grave. Ah, bah, écoutez, Aurélie, on allait vous proposer avec Fatih de faire un court témoignage. Oui. Très bien. Donc je vous présente Fatih. Voilà, qui... Bonjour tout le monde. Je m'appelle Fatih, je viens de la Gambie. J'ai rentré en France en 2000. J'ai quitté chez moi en 2016 en passant par l'Italie. Après l'Italie, j'ai passé Niger, Libye. J'ai passé par Libye pour rentrer en Italie. Après en Italie, et puis je suis venue en France en 2017. Je suis rentrée à Montpellier en 2017. Donc, j'ai quitté à Montpellier aussi, de venir au Cherbourg 2020, parce que je vais faire vite les choses. Via France Terre d'Asile. Je suis venue et puis France Terre d'Asile m'a accompagnée. C'est eux qui m'ont orientée vers l'AFPA. Donc, j'étais bien accompagnée à l'AFPA. Vraiment. À l'AFPA. Ici. Non, c'est la MEF ici. La MEF, oui. Excusez-moi. Parce qu'en fait, je me débrouille. Je suis venue en France. Je ne comprends pas français, mais depuis que je suis rentrée en France, les gens qui m'ont accompagnée, surtout ici, surtout à la MEF, j'ai rencontré les gens qui accompagnent nous, les étrangers. Ils ont super bien. Donc, on m'a donné le courage d'avancer, d'étudier un peu, de lire français, savoir langue française, de savoir les cours en ordinateur. Tout ça, là, c'est grâce à eux, j'ai orienté, je parle un peu et puis j'ai commencé à lire un peu parce que je suis rentrée en France, je ne sais pas lire parce que je n'ai jamais été à l'école dans mon pays. Donc, en fait, je peux dire que l'accompagnement d'ici, c'est parfait. Parce qu'on nous donne l'encouragement d'étudier, d'avancer. On nous fait oublier tout ce qu'on a subi chez nous, quoi. Parce qu'en fait, la façon qu'on était traité chez nous, si c'était comme ça ici, on ne peut pas rester en France. C'est pour cela que j'aime trop France. Parce qu'en fait, l'accompagnement d'ici, on nous accompagne bien. On nous l'encourage, on ne nous décourage jamais. Parce que depuis que je suis rentrée ici, grâce à Aurélie, à chaque temps que je suis découragée, il me dit non, Fatih, il faut suivre les cours. Donc, je suis les cours, tous les conseils qu'on me donne. Parce qu'en fait, j'ai toujours mis dans ma tête, même si ce n'est pas ton pays, mais si tu veux obtenir quelque chose, il faut savoir lire d'abord ou bien comprendre leur langue. Donc, j'ai toujours voulu comprendre français et puis aller à l'école, mais parce que je n'ai pas eu cette chance. Donc, bref. Mais j'étais bien accompagnée ici grâce à son accompagnement et puis ses conseils. J'ai eu le travail. Je fais d'abord le stage de... Comment il s'appelle? Alors, on a fait, donc tu as déjà décroché un travail saisonnier donc, en juillet de l'année dernière en tant qu'employé de propreté et d'hygiène. Oui. Et après, donc, on a eu une offre via une autre entreprise donc PLVS sur Cherbourg. Oui. Et donc là, on est allé en rendez-vous toutes les deux avec la patronne pour négocier déjà. Une PMSMP. Oui, parce qu'en fait, j'ai fait stage là-bas, mais en fait, on ne voulait pas me prendre parce que ça n'allait pas. Parce que en fait, je me disais, parce que je ne comprends pas trop les choses. Donc, les consignes. Les consignes, donc, ça m'énervait à chaque temps. Mais tu sais, si tu es quelqu'un qui t'accompagne, il t'encourage, ça te donne aussi la courage. C'est pour cela que la MEF, c'est très bien pour les jeunes. Et puis nous, les étrangers. Et donc, tu as fait ton stage? Donc, j'ai fait le stage. On ne voulait pas me prendre, mais toujours Aurélie m'a accompagnée pour encourager la dame pour me donner une seconde chance.
C'est comme ça, j'ai eu CDI, un mois de CDI. De CDD? CDD, donc c'était bien passé. Après, la dame, ils m'ont accueilli bien, ils ont aimé mon travail. Donc, maintenant, j'ai signé CDI. Grâce à la MEF. Donc, vraiment, moi, je peux dire que... Grâce à toi, déjà. Non. Grâce à Fatih. Oui, je sais, mais grâce à l'accompagnement aussi, tu vois. Parce que l'accompagnement d'ici, ça nous donne courage à embaucher, à aller de l'avant, tu vois. Donc, si ça trouvera que ça ne me donnait pas l'envie, il y a quelqu'un derrière moi, il n'y a personne derrière moi qui me dit, ah Fatih, il faut faire ça. Mmh. Mais ça me décourage complètement parce que je sais ce que j'ai subi de rentrer en France et puis tout ce que j'ai vécu sur la route. Donc, ce n'était pas évident pour moi. Et puis, j'ai vu aussi David. Voilà, le point écoute, Fatih a effectivement eu des entretiens avec David, oui, qui est un psychologue, mais qui parle un petit peu anglais, mais qui ne parle pas du tout arabe et tout ça. Donc, c'est plus compliqué, moi, pour mon autre public. Mais Fatih, comprenant le français, a eu des entretiens avec David parce qu'il y a eu des petits coups de mou quand même. Hein. Oui, hein? Donc, parce qu'en fait, ça me faisait plaisir de parler un peu à les gens parce que j'ai subi beaucoup de choses. Je me disais, si j'en parle, ça peut quitter dans ma tête, ça me soulagerait. Donc, c'est pour cela que je voyais David. Donc, vraiment, je peux dire que l'accompagnement d'ici, France. De stars, donc, c'est bien. On accompagne bien les gens, on s'occupe de nous, tous les papiers, partout. Donc, c'est déjà bien. Moi, donc, je suis ravie. Voilà une autre raison. Fatih qui avait un contrat de 12 mois au départ. Bon, ben, on en est à 15 mois, par exemple. Voilà. Mais ça va s'arrêter à la fin du mois parce que elle a son CDI à temps partiel. Comme il y a ses deux enfants, c'est parfait. Et on a mis en place un accompagnement global, département et Pôle emploi, pour le relais après Star. Pour tout sécuriser. Voilà. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir de parler avec vous. Ça nous a fait plaisir aussi de vous entendre et merci pour ce témoignage très très éclairant. On vous comprend très bien et ce témoignage, il est riche, je pense, pour notre public aujourd'hui. Yves Vernon, vous avez levé la main. Merci des témoignages, c'est toujours ressourçant, dans le sens, à un moment donné, qu'on donne à nos missions. Je voulais peut-être juste préciser deux choses. La première, on n'a pas eu la chance de pouvoir aujourd'hui faire témoigner des entreprises, alors même si on avait des représentants, j'ai compris, consulaires, en tout cas de partenaires. Ce qu'il faut savoir, en tout cas l'expérience qu'on en a nous, c'est qu'à chaque fois qu'on a eu à faire témoigner des entreprises, les mots qui ressortent sont des mots comme pépite, comme joie de vivre et comme aide au management. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on a des personnes qui entrent et qui arrivent avec cette banane qu'on arrive à voir malgré les masques et qui arrivent avec ce sourire et cette énergie, dans les entreprises, ça crée au sein des équipes et au-delà des labels entreprises inclusives et RSE, ça crée des vrais mouvements d'ambiance dans les équipes et ça participe aussi à un moment donné à ce que les équipes fonctionnent bien. Et ça, on a eu, nous, dans l'avenue, on a eu la chance d'avoir le préfet Régnier, délégué interministériel et des entreprises ont témoigné. Et c'est à chaque fois ce qui est ressorti de différentes entreprises. L'autre élément, deuxième élément, c'est la question des représentations. Je pense qu'on a tous des représentations sur l'employabilité. Nous, ce qu'on a pu voir et tous les témoignages qu'on a pu avoir vont dans ce sens, c'est que il faut bien prendre en compte qu'il y a l'OFI, il y a le savoir langue française, qui globalement, on est entre 600 et 1000 heures de formation. On n'apprend pas une langue en 600 ou 1000 heures. On le voit bien nous quand on apprend des langues étrangères. Et à un moment donné, c'est de se dire finalement, ce niveau de langue, comment il peut être compensé par autre chose, ou est-ce que finalement, moi-même, en tant qu'accompagnateur, je crois en la capacité de la personne à trouver un emploi malgré un niveau de langue finalement que je pense inférieur. Ce que je dis là, c'est qu'on doit aussi nous casser nos représentations sur ces niveaux de langue en pensant que la personne n'aura pas la capacité. Elle compense souvent par beaucoup d'autres compétences. Je donnerai un exemple très concret.
Si vous avez la chance de venir à Rouen, il y a un des hôtels, qui est un des hôtels les plus chics, qui s'appelle l'hôtel de Bourtouroulde. On a eu un contact avec la direction et on a eu un stage qui a été réussi. Sandra, je vois hoche parce qu'elle a dû déjà entendre l'anecdote, parce que c'est peut-être quelque chose que j'ai déjà dit. Mais le directeur de l'hôtel, en fait, en accueillant un de nos stagiaires, qui avait un niveau de langue en français très limité, me dit, mais vous savez, votre stagiaire, il parle cinq langues, là. Alors certes, le français est un peu limité, mais au niveau de la population qui fréquente l'hôtel de Bourtouroulde, on a une population finalement beaucoup plus anglophone et beaucoup plus étrangère qu'une population française. Donc en fait, ses compétences sur les cinq autres langues compensent largement son niveau de français, qui est certes limité, sachant que le niveau de français... On l'a, nous, en interne, par toutes les autres collègues, et on pourra de toute façon continuer à ce que la personne apprenne plus. Donc, il y a aussi, à un moment donné, un changement dans les représentations, et il faudrait qu'on arrive à créer, dans une période qui n'est pas propice à ça, mais des vrais témoignages d'entreprises qui sauraient rassurer, on va dire, le monde économique. Et le dernier point, et moi, je suis ravi d'avoir pu être avec les trois confrères, là, les trois projets, parce qu'on voit bien des similitudes et en même temps, on voit bien des spécificités dans les innovations, parce qu'en effet, le PIC, c'est de l'expérimentation et c'est de la mutualisation. J'avais émis le souhait qu'on puisse se rencontrer entre interprojets normands, essayer de partager les outils, les remarques. Bon, on n'a pas, pour plein de raisons, on n'a pas pris le temps au niveau des structures, on va dire, pilotes, mais voilà, moi, je souhaite vraiment qu'on puisse, de ce séminaire un peu prétexte, enfin, de ce webinaire, pardon, un peu prétexte, garder les contacts et organiser au sein de la Normandie des échanges entre les trois porteurs de projets et les trois consortiums, parce qu'il y a vraiment des choses intéressantes qui ont été développées sur les trois territoires. Je pense qu'en effet, l'intérêt, c'est de mutualiser et puis de pouvoir réappliquer et s'aimer éventuellement. Voilà ce que je voulais juste préciser. Merci beaucoup, Yves. Rendez-vous à prendre, hein, pour effectivement créer cette rencontre en 2022. Sandra, peut-être un dernier mot. En tout cas, merci à tous. J'allais faire la conclusion. Je voyais que Laure voulait peut-être réintervenir, mais c'est vrai que l'heure passante, je ne sais pas, Laure, ce que vous vouliez dire en conclusion, peut-être très rapidement, parce que c'est frustrant, je sais, mais le temps est... C'était juste pour dire qu'on va mettre en ligne sur le site internet de la MEF, il y aura un onglet spécial star où il y aura des témoignages vidéo, notamment un témoignage vidéo d'une entreprise de Sud-Manche, un entretien qu'a fait Claire, et puis également un diaporama qui montre les actions, et également un témoignage d'un jeune accompagné par la mission locale du Centre Manche. Donc voilà, témoignage d'entreprise, vous pourrez visionner prochainement. Très bien, merci Claire, merci Laure pour cette information complémentaire. On vous communiquera évidemment tous ces liens, tous ces éléments. Donc je vous remercie tous, enfin voilà, pour les témoignages et vos participations. Hein, je pense que on voit que ça suscite plein d'échanges. On voudrait continuer, mais le temps nous est compté, vous le savez. Donc on va devoir s'arrêter pour aujourd'hui. Et puis vous, voilà, on a vu que ça a enclenché plein de choses. Là, c'est intéressant de voir que ça peut susciter plus d'échanges aussi entre les trois porteurs du PIC réfugié. Je vous rappelle aussi que, comme je l'ai dit en intro, tout ça s'inscrit dans un contexte plus large et il y aura d'autres webinaires qui sont à venir, hein, et puis des actions qui sont intégrées dans le programme PRO, hein, du KFOR. Je vous invite à le consulter, à aller voir les actions qui sont en destination de ce public. Il y en a à venir pour 2022. Je peux d'ores et déjà vous annoncer qu'en mars, on aura un webinaire qui sera fait par l'OFI, justement, sur le contrat d'intégration républicaine. Je vous le dis dès à présent, la date vous sera précisée. Et puis, il y aura aussi des actions qui permettront d'aller plus loin et de mieux connaître l'offre de formation, hein, qu'on portera aussi au courant du premier semestre, en tant que CRI. Évidemment, tout le diaporama, etc., qui sont présentés aujourd'hui, seront disponibles sur nos sites avec le replay de ce webinaire. Donc, voilà, vous pourrez y accéder, parce que je vois que la question a été posée. Ils seront sur les sites et sur la plateforme La Place, évidemment. Et puis, ce que je vais vous demander, vous avez dit au début, je vais lancer une petite... je vais vous mettre un lien dans le chat, un petit questionnaire d'évaluation. Si vous pouviez prendre le temps de répondre à l'évaluation de ce webinaire pour nous, qu'on puisse aussi nous améliorer pour la suite, c'est toujours l'objectif. Voilà, donc merci de prendre le temps de le remplir dans la foulée si c'est possible, ça serait l'idéal. Et je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous dire. L'échelle de satisfaction, je le précise quand même, 1 pas du tout satisfait et 5 très satisfait. Quand vous répondez au questionnaire, sinon on n'aura pas les bons résultats si c'est dans l'autre sens.
Voilà, je ne sais pas, Yannick, tu veux compléter? Juste pour compléter, Sandra, par rapport à ce que tu disais, effectivement, des actions aussi à venir en 2022 autour des autres appels à projets, hein, du PIC et du PRIC. Donc, si vous avez, vous, des envies ou des propositions, effectivement, d'animation, n'hésitez pas à revenir vers moi. Donc, je vois qu'Ingrid Vallée du Réseau Grain est avec nous. On a eu l'occasion déjà de mettre les projets aussi hub en lumière. Voilà, donc 2022, ça sera aussi l'occasion de continuer ces actions que nous avons commencé ce matin avec Sandra autour des autres appels à projets. Donc, voilà, la place et les communautés sont à votre disposition aussi pour continuer à mettre en lumière tous ces projets.